chaîne de ça, en vous entendant, en entendant vos ministres, c'est pour ça qu'il y a des perspectives qui sont par la Guinée. Mais je pense que, très sincèrement, le problème du Guinée aujourd'hui, ce n'est pas ces annonces. Quoi. Le gros problème, c'est la réalisation de leurs besoins. Moi, j'ai pu le constater, il y a un certain nombre de domaines où j'ai pu constater des avancées telles que l'agriculture. Je suis allé sur le terrain. Je suis allé aussi visiter toutes les infrastructures construites dans le cadre du cinquantenaire. Vraiment, félicitations. Cette question minière pose problème. La question minière, c'est-à-dire la problématique en Guinée aujourd'hui, d'après ce que moi j'ai pu constater sur le terrain, c'est la gouvernance. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels moi j'ai travaillé qui n'ont pas pu trouver de réponse. Je donne un exemple de comprendre quelle est votre réaction par rapport à ces deux types, ces deux cas. Vous avez la société, aux deux exemples que je vais vous donner. Vous avez la société AMR et la société SMV. En 2014 ou 2013, la société AMR, une société française, dirigée par deux Français, sont arrivés en Guinée. Au jour d'aujourd'hui, cette société a tout eu sur le territoire guinéen, nonobstant ses engagements. C'est-à-dire, elle est arrivée, elle a eu son permis d'exploitation. En 2016, elle a cédé sa part et l'État même a cédé ses 15% à la société SMV. Monsieur le Président, on se pose la question, quelle est-il de la gouvernance dans l'industrie? La deuxième question, Monsieur le Président, j'en ai fini, c'est par rapport à la réaction de la Guinée face aux différentes condamnations. On a vu avec le gouvernement américain qui est parvenu à condamner Mamoud Tcham, et depuis la publication du rapport Global Witness, il y a un certain nombre de personnes qui ont été incriminées, des pays même ont pris des engagements pour. Mais la Guinée, jusqu'à présent, a annoncé que la Guinée devrait mettre en place une commission d'enquête sur ces dossiers. Mais jusqu'à présent, Monsieur le Président, nous n'avons rien obtenu des résultats de cette enquête. Merci. Je vous inquiète. Je ne préfère pas. Pour avoir une concession, ce n'est pas le Parlement. L'Inde n'a pas de concession. On les a permis une association parce qu'ils utilisaient la rivière. Et c'est la société Winning. Pourquoi? La société Winning a une expérience en Indonésie. C'est-à-dire, dans l'exploitation, il permet à des nationaux de devenir miniers. C'est-à-dire, les accompagne, en ayant des produits, qu'ils préfinancent, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que la société Winning est venue. Et la Guinée n'a rien cédé à ces 15%. Vous la continuez pour quoi? Mais c'est quand même grave. Vous avez une phrase 24 et vous allez raconter des conneries comme ça, c'est pas vrai. C'est grave. C'est nous qui avons décidé dans le nouveau corps. Ça n'existe pas avant moi. C'est moi qui ai décidé dans le nouveau corps que toute personne qui va avoir une concession minière doit donner 15% gratuit au gouvernement guinéen. Si c'est la force. Si c'est transformé en aluminium, 7% pour encourager à transformer en aluminium. Mais on peut prendre les 15% comme on peut les remplacer par un financement. Quand nous l'avons fait, beaucoup de gens ont fait, non, mais président, pourquoi tu vas avoir 10%? Pourquoi tu ne prends pas l'argent? J'ai dit non, je prends 10%. Mieux. Quand j'ai négocié avec Rio Tinto, c'était en février, c'est-à-dire le nouveau code n'avait pas encore été adopté. Rio Tinto est à Beira, je ne sais pas combien d'années avant qu'il y ait le président. La mise à plus riche. Ils étaient cotés en bourse sur le ciment. Dans ce cas, il n'y a pas grand-chose. Mieux, ils ont vendu une partie à Chicago. Vous pouvez vendre, un millier peut vendre, mais il faut l'accord du gouvernement. Ils demandent sans l'accord du gouvernement. Et ensuite, lorsque vous avez permis, avant qu'on donne la concession, il faut que vous rendez la moitié de la superficie. Donc, il devait rendre la moitié, si on devait les deux. Si vous vous rappelez, sous le gouvernement de Corée, quand il y a parlé de l'ONU, nous négocierons parce qu'il y aura des personnes plus fréquentables.
malheureusement pour eux, la personne la moins fréquentable qui a été mise en œuvre. Donc, après ça, ils sont venus nous voir, on veut négocier. Mais comme moi, je suis un intellectuel, je commençais par avoir l'air aussi. J'ai dit qu'en février, la février, si on ne négocie pas, ils vont perdre la mine. J'ai dit, je ne négocie pas. Et à fin janvier, j'ai été convoqué. J'ai dit, bon, maintenant, je peux négocier et je prolonge de 2 mois. Mais à mes conditions. Hein? Vous avez refusé de retrocéder Simon Dubé 1 et 2, vous le cédez tout de suite. 2, vous avez signé avec Chinalco sans l'accord de Ronald Guinée. Donc, je vous mets une pénalité. Le ministre disait 200 millions, 300 millions. J'ai mis une pénalité de 500 millions de dollars. Deuxième mois, le nouveau code va prévoir qu'on ait 15% d'actions gratuites. Le nouveau code n'est pas encore adopté, mais exige que ça s'applique tout de suite à vous. Ça fait 15% gratuit. Mieux, j'ai dit, on met dedans que j'ai le droit d'acheter 20% en payant. Pourquoi? Pour arriver à 35%. Si vous êtes un bon journaliste, vous devez savoir qu'avec. Pardon, s'il vous plaît, monsieur. Si vous sortez. Je n'aime pas les politiques ici. C'est ça la dernière fois. Donc, c'est 35%, ça me permet d'avoir la question de blocage. C'est-à-dire qu'une décision ne peut être prise sans la Guinée. Lorsque j'ai reçu Munich, vous avez une SNB intelligente, bon, SNB, puisque vous n'avez pas la capacité de commencer tout de suite, et qu'eux veulent commencer tout de suite, et nous avons besoin d'aller vite, mettez-vous d'accord avec eux pour qu'ils associent avec vous, associent avec eux, pour qu'ils commencent à travailler. Parce que ils utilisaient le fleuve en faisant des passes, en grand niveau de pantalon, pour pas les sortir tout de suite et pas encore aller au fond. C'est nous qui avons donc demandé à l'OMS de s'associer, parce qu'on ne va pas attendre 10 ans qu'ils commencent à exploiter, alors qu'il y a des gens qui sont prêts à l'Amérique, n'est-ce pas, pour travailler avec eux et ils exploitent. En attendant, ça, on n'avait pas besoin de concession. On l'a fait. Et l'UNI, cette année, va faire 30 millions ou 40 millions de dollars. Grâce à l'UNI, nous sommes en train de devenir le premier exportateur de bauxite dans le monde, ce que normalement nos réserves nous permettent. Il ne faut pas raconter l'histoire. Et à part, c'est quand vous devez avoir la concession, il y a deux façons. Une concession, mais là, c'était l'interprétation. Donc, voilà. Et c'est secret. Adressez-vous au ministère, et c'est comme ça que vous discutez le pays, à rencontrer des colonies sur France 24. Quand vous avez adressé au ministre, ça va, vous savez comment vous pouvez faire de l'enquête. Quoi? Vous êtes, vous allez partir au ministère des mines? Quelle possibilité vous avez de faire des enquêtes avant d'acheter le dossier? Je n'ai pas oublié de mine. Soyons moins prétentieux. Et allons à l'information. Si vous me dites qu'il n'a pas fait d'enquête, il n'a pas droit à la parole. Vous allez être sur le ministère, vous dites que vous avez été sur le terrain. Mais si vous êtes venu au ministère des mines, soyez modeste, venez au ministère des mines, qui vous dit tout est transparent. La Guinée est le seul pays au monde à avoir publié tous les contrats miniers. Quand je suis venu, j'ai publié tous les contrats miniers. Il y a rien, tous les contrats miniers. La preuve. J'ai été invité à Rome par le Cameroun pour modèle de transparence. J'ai été invité aussi pour modèle de transparence. Tous les contrats sont publiés. Même le contrat qui était avant moi. Maintenant, pourquoi voulez-vous que si les gens ont mangé avant moi, c'est le contrat, pourquoi voulez-vous que je m'intéresse? Moi, mon temps n'est pas communiste. Ils ont géré, ils ont fait le problème. Ça, c'est leur affaire. Pourquoi voulez-vous que la Guinée, quand je venais, la Guinée n'était pas membre de l'ITIE. Moi, j'ai fait un peu de la Guinée d'amitié. Et il n'y a aucun. Tous les contrats de Guinée ont été publiés. Et mieux, nous avons récupéré 800 permis. Parce qu'il y avait des gens qui connaissent les permis. Ils ne savent même pas ce que la mine. Pendant cette guerre, il y a la bourse. On a retiré 800 permis. Donc, allez un peu nous informer. Quelle fait la désinformation? Allez, on nous a dit ça de nous informer. Et aujourd'hui, que ça prenne ou pas, moi je vais exploiter les richesses de la Guinée. On ne va pas dire que nos Chinois, si c'est les Chinois, les Martiens, je ne sais pas la cause d'exploiter. Parce que nous avons déjà besoin d'une mine pour avoir nos richesses. À quoi ça sert? Il y a pas de terre. Et que si je ne sais pas comment avoir. Que les gens soient contents ou pas, vous savez ce que je veux dire. On a exploité une mine avec ce qu'on a exploité. Et avoir des ressources pour transformer le pays. Et nous n'avons pas dit seulement. Vous n'écoutez pas. J'ai dit, lorsque lors de la semaine de mine, le ministre a dit que la mine est libre de prendre la Guinée, j'ai dit non. Le ministre n'a pas dit que c'est la Guinée du Sud.
ennemi doit nous servir à financer des infrastructures, de l'exercice des routes, des chemins de fer, etc. Mais ce qui va changer les conditions de la population, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Vous oubliez que vous avez dit, oui, aujourd'hui, on fait du cacao. On a fait comme une delta l'année dernière, et cette année, on va faire plus. On va faire, on va aller à 300 000 hectares de cacao, 300 000 hectares de café, ou de glopista, sans qu'on les avoir fait en forêt. Aujourd'hui, en deux ans, on a presque 500 000 hectares dans la table. Et dans la table de rue de 5 000, de 7 000, nous avons lancé le programme de maïs. Les Marocains sont venus. Les Marocains importent 2 millions de tonnes de manioc, de maïs par an. Dans la mission littéraire la semaine dernière, pour que les produits d'agriculture de maïs, c'est ce qu'ils appellent Alpha, pour leur. Si vous ne comprenez pas, c'est que la nourriture sera le pétrole de demain. Parce que les populations augmentent et les ressources alimentaires diminuent. Donc quand vous devenez un exportateur de céréales, ça remplace le pétrole de demain. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur ça. C'est là que tu t'emploies plus de 20 euros. Donc améliorer les conditions de vie. On est autosuffisant. L'importation de l'huile foncière, on a payé un ministre. Mais quand nous servons plus local, nous avons des boiseries qui permettent de transformer les lipadies rapidement. Parce que si le bilan des lipadies sur les bras, il ne peut pas aller. On a signé un accord avec le BRA pour les pistes. Parce que quand le bilan fait culture, il faut que tu puisses en magasin, que tu puisses transformer le marché sur le projet. Il n'y a pas que la Chine qui est notre partenaire. Je viens de la Russie aujourd'hui. Je viens d'Abu Dhabi, vous êtes journaliste. Vous avez vu quand même la délégation d'Abu Dhabi, vous avez vu la délégation d'Arabie Saoudite, si le point ça vient venir, vous avez vu ça à la télévision. Vous avez vu les gens d'Abu Dhabi qui sont venus. Et avant-hier, ils étaient avec le comité et le Qatar, etc. Il n'y a pas que la Chine qui est partenaire. Mais nous avons un partenariat stratégique avec Abu Dhabi. C'est pourquoi ils ont la aussi de Sangaribo. En même temps, dans la coopération stratégique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, etc. Il faut vous informer. Je vous ai dit votre défaut, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Il va avoir une information, donc faire une enquête. C'est ce qui est. Et c'est grave, parce que c'est vous qui le racontez, c'est pas le même cas. Pourquoi soit assez bien.